de vous avoir nombreux devant vos petits écrans pour vous parler de votre émission préférée, La Destinée Prophétique de la République démocratique du Congo. Une émission que fait la une, une émission de l'innovation, une émission qui réveille la conscience de chrétiens, de ceux qui aiment le Seigneur. Bien-aimés, nous avons si longtemps mangé les coloquintes sauvages, mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce et son amour, a décidé de visiter le Congo en vous donnant une nourriture en son temps. Et pas n'importe quelle nourriture, pas les coloquintes sauvages, mais une bonne nourriture. La destinée prophétique de la République démocratique du Congo, dans son thème, dans son sous-thème, il change les temps et les circonstances. Merci de nous avoir appelés de partout. Comme le docteur a beaucoup à dire, il est encore avec nous aujourd'hui. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, accompagné de mon compagnon d'élite, le colonel Monga, que je salue. Bonjour mon colonel. Bonjour mon frère, bonjour. La santé, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Beaucoup de réactions de la part des téléspectateurs. Sans plus tarder, nous passons la parole au docteur. Je sais que la fois dernière, nous avions lu Éphésiens chapitre 4. Je ne sais pas si le docteur va débiter par là. Et toutes les questions que vous nous avez posées, soyez-en attentifs. Vous recevrez émission, vous recevrez réponse au travers de cette émission. Nous ne saurons pas citer vos noms tous, mais nous vous aimons par les noms glorieux de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Nos frères du Bas-Congo, nos frères de Bandundu, de Idjofa, de Beyatchengun, nous vous saluons. Nos frères de Katakokombe, nos frères de Luchimbedu, Pété Colombé, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, nos frères du Katanga, on est ensemble. De la diaspora, nous sommes avec vous. Et nos bien-aimés qui nous suivent à partir d'Israël, cette émission vous concerne. Docteur, bonjour. Oui, bonjour mon bien-aimé. Vous avez suivi toutes les réactions, à vous la parole. Où est-ce que vous allez nous amener aujourd'hui? Ok, Nzambe apambolama. Apambola pe balandi na biso ya mikolo nyonso. Na banzi naza toutefois na continuité ya enseignement na biso. Jusque là nous interprétons Jean chapitre 11. Le verset 48 à 52. Parce que na Jean chapitre 11 verset 48 à 52. On a namoni sacrificateur azoloba. Alobi non balingami bino moko boyebike ko landisa mobeko na biso. Et il faudrait mutu ya kufa. Mutuni c'est Jésus akufa. Mais akufa po na masumu ya nation. C'est-à-dire azokufa la masumu ya nation d'Israël. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Non pas seulement pour le péché de son peuple, mais encore pour trouver un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés parmi les nations dans un seul corps. C'est là où nous sommes. Et je continue à interpréter ce corps. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus-Christ, le Seigneur de la gloire, a parlé de ce corps. Il y aura quelqu'un. Et plus loin, dans Luc chapitre 17, Nako Lingo Tangi Langande Konam. Dans Luc chapitre 17, dans verset 37. Luc chapitre 17. Seigneur de la gloire, Atouni Moutouna. To alobeli eloko ya moutouya. Eloko ya moutouya, Seigneur de gloire, azolobela. Nde etindi ki baye koli, batouna nkolo moutouna. C'est pourquoi na linguyo tangi langande konangai. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17. Nous lisons les 37e verset. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Ah ouais, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Parce que, kuna na Jean,
tomoni ba souverain sacateur ba zakoloba. Ba lobi non. Il faudrait que Jésus puisse mourir pour les péchés de son peuple qui est la nation d'Israël. Mais non pas seulement pour la nation d'Israël, mais il devait encore trouver un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Mais dans un seul corps. C'est pourquoi tant waza koloba likambo corps kolo otobengi Jésus-Christ asa beta du solo wana. Abeteli yango wap na Matthieu chapitre 23 na banzi na tangela kibine. Azolo bake non yo Israël. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et celui-là qui devait venir. Tant que nous touchons aya, mais il y aura quelqu'un qui viendra avant que je revienne. C'est pourquoi baye koli bazo tourna et maintenant na bisika oyo. Babi ah Seigneur, biso to komona yo lisusute. Lokola to komona yo lisusute, komi kobeta lisolo ya mutu mususu nde akoyaka. Mais yo okozala wa wapi? C'est là où Jésus-Christ répond ses disciples. Azoyeb sabango ke là où ça sent, là où il y a le corps, où là sera ça, le corps. Ah, là où sera le corps, là c'est là où s'assembleront les aigles. C'est-à-dire, bah aigle, bah véritable aigle, bah qui qu'on se rassemblait, et si qu'un corps zate, bah aigle, bah se rassemble là où il y a le corps. C'est-à-dire là où il y a un homme physique. Un homme physique. Pourquoi zolo bah les aigles? Parce que Nakoya ya mutuana, c'est lui qu'on appelle le Christ. Corps wana to sobenga Christ. Christ o Jésus a beteli li solo. Ce Christ là lorsqu'il viendra, il va trouver des hommes qui viendront avant celui-là. Parce que Jésus ça lo ba lobino, lokola na beti li solo ya mutoyo, plusieurs viendront sous mon nom. Amen. Et ils diront c'est moi qui les renvoie, envoyé, c'est moi qui suis le Christ. Mais ce n'est pas moi qui les envoie. Ils viendront aimer d'eux-mêmes. Mais moi, je vais envoyer quelqu'un. C'est pourquoi le kola na kutinda kamutu na kombo ya na kombo nanga oba bengi na kombo na Christ oba kubenga ka kombo na Christ. Alobia kutinda moko moko kaka tangu akoyaka. Akoya kokuta ke ba Christ ba se ba ya déjà ebele. C'est-à-dire ba tu ba mi benga ba envoyé et se ba ye et lui sera la dernière personne ou le dernier messager qui viendra. Mais comme il va retrouver des hommes maintenant, ce n'est pas donné à n'importe qui. Azala autour de cet homme, c'est seulement un aigle. Amen. Pourquoi un aigle? Parce que un aigle, c'est celui qui a des ailes. Qui peut voler avec ses deux ailes, amati encore au-dessus de la mêlée, pour atteindre bien, bien. Amona avec précision. Avec précision. Qui n'a profondeur. Qui n'a pas mozindo. Atali malam lam. Il s'agit de celui-ci, ou il n'est pas question de celui-ci. C'est pourquoi Jésus a bêté dit le solar lobby. C'est seulement les aigles. C'est-à-dire, si tu n'es pas un aigle, tu ne seras jamais autour de ce corps qu'on appellera un Christ. Ce n'est pas un corps prophète, ni apôtre, ni un pasteur. Mais corps wana bako benga ka yango, corps ba benga ka yango na za kozongela bako benga ka yango na kombo ya un Christ. C'est là que les aigles s'assembleront. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme il est question d'un homme, il est question d'une personne qui doit venir. Il est question d'un homme qui doit voir vie au milieu de son peuple. Nakati akorwana, Jésus a yeko pénétré. C'est ce que Esaïe dit. Jésus a koyaka kokota na kor ya Christ wana. Pour que na kor ya Christ wana, akoka ko prolonger mikolo ya bomo inaye. Et qu'il trouve aussi l'opportunité de rassembler les enfants de Dieu dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus reconnaissait que plus tard, les enfants de Dieu seront dispersés par des hommes qui s'appelleront des pasteurs, des envoyés. Bako,
yaka bakopanza bakopanza bapanzi babendi mutu na mutu abendi la lolenge na ye. C'est pourquoi Jésus envoie un homme appelé un Christ aye akoti na katia korwana pour qu'il trouve lui-même un moyen, une opportunité de parler à son peuple. Akoki sa parole prophétique et zakolobake dans les derniers jours qui viendront, personne d'autre n'enseignera son frère pour dire connais l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Et tous seront enseignés par moi-même. C'est-à-dire lui-même, le Christ va enseigner. Jésus lui-même, celui que nous appelons le Christ, doit pénétrer dans un autre Christ, pour qu'il enseigne. Enfin, David Yazakoloba, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton de tes ennemis, ton marche-pied. Seigneur, qui est Jésus, assis-toi. Le Seigneur, qui est Jésus, dit à un autre Seigneur, c'est-à-dire le Christ, mets-toi à ma droite. Mets-toi à ma droite. La droite qui signifie seulement mon corps. Vanda na kati yanzo, yanzo tona. Kino na kokende komitia bangunia na yo na se ma kolona na yo. Il est question de cet homme. Maintenant, plusieurs va profiter déjà baye. Et c'est celui qui viendra, c'est celui qui sera le dernier messager et qui va apporter un dernier message pour le temps de la fin. Pardon, docteur. Tant au lobby que, autant qu'il place au lobby, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Mais Branham est déjà assez à l'oba, donc le corps c'est Branham. Donc, je voudrais encore renchérir parce que awanazomona comme si olingi ko troubler penza makanisi na biso pe olingi ko troubler makanisha ba congolais partout na ba bisika bande ko na biso ya ba Branham ba sambelaka ba tchaka kaka Luc 17:37 et ils disent que ce corps là c'est Branham, c'est le frère Branham. Voilà. Et puis il n'y a pas longtemps ici na Matete, il y a eu une grande convention. Bazoloba, la prophétie de frère Branham par rapport à la situation de l'air. Et pour eux, c'est frère Branham qui est la solution en ces temps. Vraiment, aidez-nous quand même à pouvoir comprendre. Parce que le Congo, on ne sait pas. Il va où? Na banzi botuni mituna mi balé na eyo keli langai malam. Ok. Peuple congolais, na ebite batubaza ba fourbe lokola ba peuple congolais. Sauver un Congolais, c'est très difficile. Mieux vaut sauver Mboa et Kouina Libulu que sauver un Congolais. Parce que tant que Bazolobake, la solution de la RDC, à l'heure actuelle, c'est frère Branham. Est-ce que ça différent à Moutouazoloba que la solution de la RDC, au temps actuel, c'est Mobutu? Mais comment quelqu'un qui est déjà mort aura comme ma solution? Mais Atiki m'a commis, papa. Une personne qui est déjà morte. Asa Akoufi, Lelo Aya, Aya qui ramène sa solution pour le peuple. C'est vraiment manque à réflexion. Oh. Ce qui tozongi. Les Kamboya corps. Ma Kambo. Les Kamboya ba aigle. Na, ma commis en Zambie. Kolan Samutuno Chikotuna Wan. Oui. Est-ce que. Kor oyo bazolo bawa, ce n'est pas le frère Branham, oui. Parce que partout basé bakomi binonde boyebi ndenge bakomi, moi je m'en fous de ça. Et que bisika oyo kor oyo il faudrait à pénétrer, c'est le corps de frère Branham. Alors je vais regretter pourquoi je regrette. Docteur, vraiment je suis en train de m'étonner du fait que tant aux obéta les solo ya corps toye bi bien et puis toyo ki bande ko balobi hein. Ce corps là c'est le frère William Marion Branham. Oui. Et to zali ko mona biseka nyonso oyo biyamba wana ezali bakozanga te ko koma Luc 17:37 oyo lobi où sera le corps là les aigles s'assembleront. Et eux-mêmes, là, s'appellent des aiglons. Des aigles. Voilà. Pour nanini, parce que mon cousin Abango, mon sali Abango, Azali, yende corps, wapi sengeli to sangana.
le frère Branham. Pena muti komo na conférence moko munene et salemi na matete awa na lemba na sous région. Et sangisi baye ya poto baye ya ba province ba nini. Non, la prophétie de frère Branham par rapport à la situation de l'air. Et c'est le frère Branham qui est la solution pendant ces temps pour na salut ya mokili pe pour na Congo. Merci mon bien-aimé. Vandé sabiso quand même malade. Ça, ce sont les interprètes de Branham et les fidèles de Branham. Je ne peux pas plus condamner les fidèles de Branham, mais plus les interprètes de Branham. Parce qu'en aucun jour où je peux condamner les frères Branham, je dis bien les frères Branham. Je ne l'appelle pas prophète Branham, mais je dis les frères Branham. Mais c'est un prophète, non? Pourquoi docteur? Je ne dis pas les prophètes Branham? Je sais. J'en parlerai. Merci. Comme vous avez besoin que je parle de merci. Ça. Oui. Donc, le frère Branham, je ne le condamnerai jamais. Et aucun jour où je condamnerai le frère Branham. Mais je dois condamner les interprètes. Vous savez ce qui est difficile aujourd'hui? Les Congolais aiment quelqu'un lorsqu'il est mort. Et bakobunda balia sima ya mutuana. Mais l'idéologie à mutuana jamais ba applique à Kayango. Babosa na ka idéologie à mutuana, mais babundi derrière cet homme, mais balia, mais ba idéologie ya mutuana ba tiepembeni. C'est ce qui est pour Lumumba, c'est ce qui est pour Simon Kimbang, c'est ce qui est pour Mobutu même et pour Kabila, qui le rend désiré Kabila, qui est mort. Kende na bango nyonso kokuta ke idéologie ya batouane ezalaka te. Mais sauf que bazwa batouana batia bango po ba faciliter bango ba lia mbongo. C'est tout ce qu'ils ont fait. Si nous retournons sur le frère Branham, que je ne peux jamais condamner, cet homme paix à son âme. Mais moi, j'ai toujours été contre les branhamistes, les interprètes de Branham. Oh, vous n'êtes pas contre. Pourquoi contre les interprètes de Branham? Parce que Branham a tout parlé. Ah bon? Selon Bino Batubotangi Balobakaboy, Balobakike, tout auteur vit à travers ses écrits. J'ai quelques brochures à frère Branham. Na banzi ndeko nanga na kosenga ye momuke atangelanga brochure ya frère Branham. Sur le compte à rebours, total anan. Compte à rebours, traduction ya Shekina. Oyo ba prêché le 9 septembre 1960 et 2. Vraiment batala na paragraphe 109 pour poser des questions aux branhamistes. Et aux interprètes de Branham. Est-ce que Bayoka frère Branham? Ce qui Boyoki frère Branham te. Bouvanda. Laissez d'autres personnes parler, c'est que le frère, parler de ce que le frère Branham a parlé. Parce que le frère Branham, il n'est rien d'autre qu'un coq qui a chanté avant le lever du jour. Amen. C'est-à-dire, avant l'apparition du messager, lui a déjà parlé. Parce que la Bible, le témoignage de deux ou de trois est vrai. Si la Bible parle, le prophète Branham a témoigné de la venue de ce Christ qui devait rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Parce qu'il n'était pas question de Branham de rassembler. Et Branham ne peut jamais être appelé un messager du temps de la fin. Mais Branham a parlé d'un messager du temps de la fin. Qu'on nous lise un peu les écritures de mon frère Branham. Que le bien-aimé écoute ce que l'Esprit est en train de parler, parce que je ne cesse de vous le dire, que le temps de la délivrance de ce pays est arrivé. C'est au travers la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. J'ai à moi le brochure Le Compte à rebours, 1962, Révérend William Marion Branham, traduction Shekina. Le docteur m'a dit de lire Le paragraphe 109. Cette prédication a été prêchée le 9 septembre 1962 le matin à Jeffersonville, Indiana, USA, aux États-Unis d'Amérique. Paragraphe 109. Bon, nous sommes dans le septième âge, l'âge de l'Église et de la Odyssée. Et nous attendons ces grands messagers de la deuxième apparition d'Élysée.
d'après le compte à rebours. Nous attendons quoi? Nous attendons ce grand messager de la deuxième apparition d'Élysée d'après le compte à rebours. Et dès que cela apparaît, c'est donc zéro. Et ensuite, l'Église s'en va à la maison. Elle s'envole dans l'espace, dans le ciel, au-delà de la lune, deux étoiles, de toute autre chose, pour rencontrer Jésus. Merci mon bien-aimé. Awa soki bayokaka frère Branham te. Parce que le frère Branham lui-même a dit d'abord ceci. Alobi, la Bible c'est notre absolu. Amen. C'est-à-dire Branham a que libanda ya Bible te. Amen. Qu'ils écoutent et qu'ils me comprennent. Soki batanga ka Branham abe, bavanda batika frère Branham. Ici le frère Branham batikaye. Moi je vais parler de frère Branham et moi je l'interpréterai. Amen. Mais que cette thèse batika pe ko liambongo na sima mukongwa frère Branham batika ils se sont beaucoup enrichis. Ils ne connaissent pas l'idéologie de frère Branham. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est le frère Branham qui parle. Alobi toza maintenant na set, na na âge il y a 7e na église il y a 7e hein? Na église de Laodicée. Nous sommes dans le 7e âge, l'âge de l'église de Laodicée. 7e âge. L'âge de l'église de Laodicée. Yende mutoaebi. Là, c'est le frère Branham. Moi, je ne dis pas que l'église est tendre dans le 7e âge. Okay. Parce que ce qui est l'église est commune dans le 7e âge, premier âge est commun dans la période. Et d'abord, l'église a débuté quand? Parce que jusqu'à ce jour, l'église n'a pas encore eu lieu. Oh! Selon la Bible. Et si l'église n'a pas encore eu lieu, l'église, de quelle église je parle? Église de Jésus n'a pas encore eu lieu. Ah bon? Parce que l'église de Jésus doit débuter à la manifestation de Christ. Amen. Christ qui est le corps dont Jésus va pénétrer. Maintenant, ce Christ-là, c'est celui-là qui viendra faire l'église de former l'église de Jésus. Ah bon? Parce que ce Christ-là sera manifeste et Jésus sera dans le corps de cet homme. C'est de lui que Pierre parle en disant ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui comme la pierre angulaire, rejeté par ceux qui baptisaient. C'est-à-dire cet homme qui est au milieu de vous. C'est la même personne qui était en Israël. Il a été rejeté par Israël. Aujourd'hui, il est venu parmi les nations païennes. Et en venant chez les païens, si vous goûtez ce qu'il parle, vous trouvez que cela est bon. Maintenant, approchez-vous de lui. Lui qui est vivant. Lui étant comme la pierre vivante. Vous aussi comme étant des pierres vivantes. Édifiez-vous. C'est-à-dire, vos sangana. Pour former une maison spirituelle. Wana à répondre na maloba na Paul, je veux que vous soyez unis. C'est-à-dire, sans cet homme qu'on appelle le Christ, on ne parle pas de l'Église. L'incarnation de Jésus, l'Église ne peut jamais avoir lié. Qu'ils se taisent s'ils ne connaissent pas le temps. Bien-aimés dans le Seigneur. Bavanda ce qui m'a cambouana. Non, nous cessons de vous dire que voilà la destinée prophétique, une émission à son temps. Soyez pas attentifs. Voilà pourquoi frère Branham Mazal Kolobalobi. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'histoire de l'âge de l'église. Ok. Mais je voudrais parler de ce qui est important. Merci. Alors, maintenant, nous attendons un messager. Ça, c'est le frère Branham qui parle. De la deuxième apparition d'Élysée. Nous attendons un messager de la deuxième apparition de la Yajar et Élysée. Et puis, il l'appelle grand messager. Un grand messager. Apparition. Même lui, Branham, a fait quoi? Il attend. C'est-à-dire les prédicateurs de Branham doivent attendre aussi ces messagers-là. C'est celui-là qu'on appelle messager du temps de la fin. C'est ça la confusion qu'il faut enlever. Branham Aloviboy, nous attendons ces messagers-là. Un grand messager. Et puis d'après le compte à rebours. Un grand messager. Et dès que cela apparaît, tout recommence à zéro. C'est déjà zéro. Zéro, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire ce qui messager à mon ami, aux alakana groupe de prière, Kata.
ozalaka na église catholique kata ozalaka na protestant nayo kata ozalaka na mpe evangelongo kata ozalaka na groupe ozalaka na kimbangu kata ozalaka pe na brana mena ozalaka kata. Pourquoi? Parce que nous tous nous sommes commis zéro. Pourquoi Branham a dit que nous sommes commis zéro? Parce que à chaque période où il y a un messager vient changer le temps. Il vient changer le temps. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un messager si les choses ne se sont pas encore abusées. C'est-à-dire, ce qui m'a cambouni, c'est baby. Et comme il y a un souka, un messager. Pour que celui-ci vienne débiter. C'est lui que le docteur a toujours appelé la réserve de l'éternel. Remettre toutes choses en ordre. Amen. Pour azwa makambunion soit tiens namolo, namolongo. C'est pourquoi frère Branham a zolo baké. Soki kaka mutua namona ni boye ba déjà que makambunion se commise zéro. Parce qu'il y a un autre temps qui débite. J'aimerais vous parler, que la nature vous enseigne. Nous étions à la période de Mobutu, dans cette nation. Tout ce que vous connaissez. Mais lorsque Laurent Désiré est arrivé, temps est salini. Échangé. Combo yambo est salini. Échangé. Monnaie est salini. Échangé. C'est-à-dire tout est commis zéro. Tout ce qu'on avait fait devient zéro. Parce que Dieu marque le temps avec des hommes. C'est-à-dire, dès que la personne est manifeste, nous débitons un autre temps. C'est pourquoi Nakolingandeko Atangelanga pour comprendre pourquoi le frère Branham parle de ça. Ce qui toque na brochure à frère Branham, il y a enlèvement. Na paragraphe 58. Écoute pourquoi Branham a zobendaba, Branhamiste Matoi, ba interprète à Branham Matoi. Batika koliambongo na simamutu yangana po bafingi sakaye. Qui les laisse? Tradition. Ce sont des escrocs, des voleurs. Tradition Shekina, volume 65, numéro 49. L'enlèvement. 59. L'enlèvement. Paragraphe 59. William Branham prêche en 1965, samedi 4 décembre 1965, soir, Yuma, Arizona, États-Unis d'Amérique. Ok. Paragraphe 58, nous lisons. Eh bien, alors que je parlais l'autre soir à Shiverport sur la communion, je lui ai montré que lorsqu'on offrait cet agneau en sacrifice, on ne devait pas avoir du levain parmi eux. Pendant 7 jours, pas de levain, pas de pain avec du levain. Ok. Tout devait être sans levain. Cela représentait le 7 âges de l'Église que nous exposons ici dans les livres. Il n'y avait pas de levain comme ça, ni rien d'autre qui était mélangé à ça. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste avec la parole. Et nous essayons toujours d'appeler cela la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Mais brûlez-les avant l'aube. Car un nouveau message vient et une nouvelle chose. Amen. Amen. Ça, c'est le frère Branham. Wow. Oh. Frère Branham a bien dit bango matoui. Et c'est là que nous frère Branham. Mais c'est le frère Branham. C'est l'enlèvement prêché en 1961. C'est là où je me pose des questions. Donc, il y a un peu de temps pour que ça soit bon. Ah bon? Tant que tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. C'est pourquoi ma cambo est commandée bien. Peut-être que tu brochure à frère Branham. S'ils avaient besoin d'interpréter clairement le frère Branham avec la volonté de Dieu pour sauver le pays. Parce que la RDC ne pouvait pas être dans la souffrance. Parce que le frère Branham, Dieu, qui était dans le frère Branham, a aimé la RDC. Amen. Il a tout parlé avec précision. Avec précision et exactitude. Frère Branham, Azakolo Babou Yalubino. Nazin Kobete Labino Lissolo, le lengue est là qui est la période. Il y a fête, il y a pèlerin, le peuple sans les levain. Alors, il n'y a pas de singe là qui est ça la combien de jours? 7.
pendant 7 jours, bokokaki kolia lipa oezana leveno te. Bokoko ko sale loko wanate parce que ezali période ya kolia lipa avec les 20. Soki o meki kolia yango na 7 o sali bongo yebaka déjà que o so babies. C'est pourquoi frère Branham azo kitalbi lolenge moko na période biso to mélanger makambo nyonso. To komi ko benga ngoka ka maloba nanza nzambe maloba nyonso c'est-à-dire ni libala liloba nanza voyage liloba nanza ko chazem libala liloba nanza lipamboli liloba nanza tout c'est-à-dire makambo nyonso komi liloba nanza to komi na ba doctrine ya ndenge oyo doctrine na frère Branham azo lobake ko mélanger mayaji liloba nanza ko mélanger tina na mayaji wana nyonso tout. To bengi anka kala parole de Dieu. Kutika la sanko chocolata autant de jours le Or prana malobi. Il n'y aura pas de pain. Il n'y aura pas de levain. Il n'y aura pas de levain pendant 7 jours entiers. Et c'est et même ce que vous mangez aujourd'hui. C'est-à-dire même ce que vous mangez aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il est en train de prêcher. N'essayez pas de le garder pour demain. C'est-à-dire la ligne kota de sake. Même ce que vous mangez aujourd'hui, c'est que les branhamistes mangent, c'est que le frère Branham prêchait. C'est ce qu'ils mangent. Oui. Ils sont dans les mains, ils interprètent le message de frère Branham. Oui. Pain par excellence, c'est quoi? La parole. La parole prêchée par Branham. Amen. Branham a zolo baboui. Abi, même ce que vous mangez aujourd'hui, c'est que je vous prêche. N'essayez pas de les garder pour demain. Brûlez-les. Botumba yango. Botumba. Brûlez-les. Avant la levée du jour, c'est-à-dire avant que ces messagers-là n'arrivent, bino botumba déjà va brochir nyonso. Oyonga na tei bino. Pourquoi bozo tumba yango? Frère Branham a soko ya lobe. Non, parce qu'il y a un nouveau message. Un nouveau message qui vient. Et une nouvelle chose. C'est-à-dire, pourquoi un nouveau message? Parce qu'il y aura un nouveau messager. Et ce messager va apporter un nouveau message. Et lorsqu'il apportera un nouveau message, maintenant il y aura une nouvelle chose. Pourquoi bien une nouvelle chose? Parce que ce messager vient pour créer l'église de Jésus. Amen. Et Amen. Cette église devient une nouvelle chose. Une chose qui n'avait jamais existé. Amen. C'est-à-dire, au salaire qui n'a pas fait un groupe de prières, Branham, brûlez, groupe de prières, Branham, conseiller, pasteur, brûlez tout ce que vous faites. Branhamiste, brûlez ce que vous faites. Maintenant, si Branham dit qu'il puisse brûler, comment ils peuvent dire que Branham devient l'espoir de la RDC au temps actuel, au temps de la fin. Prophétie. Et comment ils peuvent encore dire que Branham devient le message du temps de la fin? Il devient messager du temps de la fin. Du temps de et la fin. Il est le prophète du temps de la fin. C'est quelle confusion! Pendant que Branham parle d'un messager du temps de la, fin. Vous devez vous repentir, mes frères, et laisser le Congo vivre en paix. Ils ont compris le frère Branham. Ou ils n'ont pas compris les frères Branham. Ils ne l'ont pas compris. Et si les frères Branham parlent ainsi, parce que ça, si bang, ok, notre absolu, c'est quoi? C'est la Bible. C'est-à-dire, toti kalaka kanama komi na makambuna na Bible. Parce que c'est de la Bible que le prophète Branham a pris toutes ces choses. Voilà pourquoi il a dit. Il a dit que soki mutua na monani, makambuni se komi zé zéro. C'est-à-dire brochure brûlée. Donc, mon toit, tu as pessi ma camboulaye na dengue. Vraiment que Dieu le bénisse là où il est. Lui, c'est mon frère. Amen. Je ne peux jamais être contre le frère Branham. C'est un homme à aimer. Parce que il a même déclaré que c'est lui qui viendra me donnera la place. C'est-à-dire, il connaîtra je suis qui? Et j'ai été qui. C'est pourquoi moi, je sais ce qu'il est. Et ce qu'il doit être. Ce qu'il était, pardon. Parce qu'il n'est plus aujourd'hui en vie. Ce qu'il était. Moi, je le sais. Il n'était pas prophète, ni évangéliste, ni pasteur. Il n'était pas ni prophète. Lui-même ne se connaissait pas. Pourquoi je lui appelle, moi, comme étant frère Branham ne se connaissait pas. Tu peux lire. Si frère Branham se connaissait, j'aimerais qu'on lise. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Brochure Naya s'est rangée du côté de Jésus-Christ. Nous avons la brochure s'est rangée du côté de Jésus-Christ. Docteur, nous allons lire
na lingi totanga nanu a cause ya tananga. Vous avez encore 8 minutes, docteur. Ce n'était pas encore mon objectif, ça. 35e verse. Nous lisons le paragraphe 35, c'est rangé du côté de Jésus-Christ de 1962. Mm-hmm. Eh bien, si je pensais qu'il y a une dénomination ou un quelconque groupe de croyants, mm-hmm. qu'il y ait eu quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici, frère, j'aurais désiré y incorporer ces petits corps sans tarder. Mmh. J'ai entendu, j'ai soupiré, j'ai été dans l'attente et j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour. Mmh. Ou que peut-être le grand prophète du genre d'Élisée dont je parle ici viendrait. J'ai toujours cru et pensé peut-être que je vivrai jusqu'à voir le jour ou quand je pourrais changer. Quand je pourrais voir cette personne se lever sur la scène, mmh. alors je pourrais prendre ma petite église et dire, frère, voici l'homme que nous attendions. Mmh. Cet homme est celui dont il s'agit. J'ai entendu cela. Et si réellement cela a lié, alors je m'attends à dire à partir d'ici, frère, le voici. À partir d'ici, le voici. Voyez-vous? Et je désire voir l'église maintenue comme cela. Baki sa kende nasuka paragraph 1. Kaka paragraph 1 nasuka. Oui oui. Osuka ka paragraph 1 ya pamba 35e seulement. 35e. Oui, nde bisika nazali, je désire voir l'église maintenue comme cela. OK, merci. Awa na banzi oyoki frère Branham. Mm. Frère Draman Branham jusque là il est à l'attente. Demain, des messagers. Un autre mais messager. Messager attend de là de la fin. Voilà. Qui aura un message du temps de là? De la fin. C'est-à-dire, Branham n'est pas un messager du temps de la fin. Et il n'a jamais prêché le message du temps de là? De la fin. Parce que Branham ne connaît pas le message du temps de la fin. Mmh. Il ne le connaît jamais. Et il ne l'a pas connu jusqu'à sa mort. Il sait qu'il y aura un messager. Mais sauf que, il sait qu'il y aura un messager qui viendra. Et un nouveau message. Il aura un message du temps de là? De la fin. Il vient pour préparer l'église à l'enlèvement. Amen. C'est ce messager-là qui viendra préparer l'église à l'enlèvement. Maintenant, Zoko Tanakonta Rebour, c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Alors, bien, c'est rangé du côté de Jésus. C'est-à-dire, l'ingé l'obani na linga lande konan. Kokozalanga. Nisonion sotozala nangambu ya Yesu Christ. Nisonion sotozala mopandi ya Yesu Christ. C'est-à-dire, Aepsi bande konae bana na eba branamist. Naba pasteur branamist. Alors, Bibi Sonyon, c'est toi qui es Nangambo, Yahé. Ya Yesu. Mais Yesu Nin. Nde a bandiko tali sabango. Yesu, ba kozala Nangambo. Nangambo, bandiko yeb sabango alobi. Yesu, na kozala ka nanzot. Tango ako mouni sa mampuasa, akoti nanzot. Nanzot abo moto li susu boy. Ndengenga naza. Bibi Sonyon, c'est toi qui es Nangambo, na? Nangambo, yo kandenge aza kolobele. Alobi, non, mais bien aimé. Naza koye bake. Il y aura un messager qui doit venir. Un grand homme qui doit venir. Nazeli. Et nazana elikiake, yambona kufa, mutuana akoyaka. Akomonanaka. So ki mutuana kaka monani ba. Nazuinzoto nanga premièrement. Nake nanga pa mutuana. C'est-à-dire, lui-même se fait disciple de ses messagers. Mais nazo sukawanate. Alors, je prendrai encore ma petite église. Église nanga. Na memi yango. Na yebi si bango. Oya, oya. Tala. Moutou ango tout salaï koze la. Ye oyo. Bison yon soto kene sima ya moutou. Oh. Oyo. Maintenant, frère Branham azo kita na kolobalobi. Na lingi, église etika la kaka na lolenge. Boye. Lolenge wana. Ya koze la ka mutuana, soki mutuana moni sa mimpoasa, bangoni yon soba kende pa ya mutua. Wana. C'est-à-dire, frère Branham, il a laissé l'église à l'attente d'un autre messager. Amen. Et il viendra. C'est-à-dire, bango. Et celui le messager du temps de la fin. Bango, objectif na bango, eza ya kolobe la mabala te. Le loba ko kosala ka ba débat sur le mariage te. Ah bon? Les branamistes, bah, quand qui consacre ma débatte ici, oh, les sept tonnerres sont révélés. Oh, la semence du serpent, oh, tout ça, non, la polygamie, la monogamie, non, pas ça. Si on veut respecter les frères Branham. Voilà. Ceux qui moutouana moni sa mi poissa, bon,
bisonyoso et pas inayé tokende pa mutuana. C'est-à-dire pourquoi zako loba ke tokende pa mutuana? Parce que lui-même se dit ceci, lui-même s'est appelé Branham. Branham yemo kwa mibenga kiboy azolo babo ya lobi. Ah, un ange m'a parlé. Ange azolo banangani na lobi ndenge kaka Jean-Baptiste asalaki précurseur de la première venue de Christ. Toi, tu seras le deuxième précurseur de la deuxième venue de Christ. Maintenant, tous ont la surprise, Branham. Premier précurseur. Olandake, Jean-Baptiste et frère Branham, basolo balangage moko. Jean-Baptiste est le premier précurseur. Ça, c'est vrai. Qui était à la tente. Azoyem, ça va Israélite, va juif. Basolo baké. Ah, Moutouana, tous ont les aïotés. Jean-Baptiste, non, je ne le suis pas. Mais je sais que après moi, il y a quelqu'un qui vient. Amen. Je ne suis même pas digne, moi, Jean-Baptiste, de délier le courroie de ses souliers, de ses chaussures. Je ne le suis pas. Que c'est que moi, je diminue. Celui-là est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. C'est pourquoi Branham aussi de son tour dit, celui qui vient est plus grand que moi, Branham. Ouh. Maintenant, Jean-Baptiste, ça l'a dit. Tant ou pas. Le premier précurseur. Tant que Jésus a se manifesté. À apparaître. C'est Jean-Baptiste qui commence d'abord dire à ses disciples. À Taliba disciple, Naya Epsi Bango Galobi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôte les péchés du monde. Moutouza Kozela. Et les premiers disciples de Jésus-Christ sont les disciples de Jean-Baptiste. C'est de même ici. Le frère Branham veut que. Le frère Branham. Ah! Comme le deuxième précurseur, il veut que le premier disciple de l'homme qui est en train de venir devienne le pasteur branhamiste et le disciple branhamiste. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je pense, je m'aime froid. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des choses que je n'ai jamais entendues. Cette affaire est en train de faire couler de l'encre. Mais, frère Branham, fais sortir le genre des ténèbres vers son admirable lumière pour dire à l'humanité que lui n'était pas le prophète du temps de la fin. Amen. Répentez-vous, bien-aimés. Répentez-vous. Voilà la vérité qui sauve. Voilà la vérité qui délivre. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Les numéros sont là. Vous voulez entrer en contact avec nous, nous sommes là, bien-aimés. Appelez au plus 243, au plus 243, 97, 520, 693. Vous nous suivrez encore sur 10e rue, la télévision 10e rue, le vendredi à partir des 6h, et puis les dimanches, la rediffusion à partir des 15h. Que l'Éternel et Dieu des armées vous bénisse. Qu'il bénisse le premier citoyen de mon pays, la République démocratique du Congo, toutes les autorités, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nos bras sont ouverts. Moi, je sais que le temps de la délivrance de mon pays est arrivé parce qu'il est écrit, un malheur ne peut pas s'abattre dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Amen. Et mon peuple périt faute de connaissances. Amen. Ne vous réjouissez pas de belles jeeps, de belles maisons, de la foule que vous amassez. Mes frères branhamistes, vous qui vous appelez de Branham, voilà le véritable message de frère Branham que lui appelle message du temps de la fin. Amen. C'est-à-dire, il y a un messager qui doit venir. Et le docteur est là, inde, jusqu'à ce qu'il va vous pointer du doigt. Voilà le messager, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Je pense à la prochaine, vous allez encore, le docteur va commencer à partir d'ici. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le samedi à 13h. À 13h40. Et mercredi prochain, nous serons toujours avec notre bien-aimé, le docteur John Kinkela. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il bénisse mon pays, la République démocratique du Congo.